fait couvrir ça, c'est nouveau slogan enquête là. Après FBI te fin Marie Koukrab, Mario Antonio Palacios Palacios, pour plusieurs dossiers criminels, parmi yo assassinat président Jovenel Moïse là, eh bien, monsieur fait carré à bail problème. Genon plusieurs gros chabak dans pays États-Unis qui citent un acte d'accusation. Qui est-ce yo? Question à poser kounya, est-ce que arrestation Mario Antonio Palacios Palacios genon changement li capoté dans cadre instruction dossier sous assassinat président Jovenel Moïse? Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Chanel Paul, TAC 509, tout haïtien connecté ou dans l'émission Mon Éditorial. C'est toujours même plaisir, la même passion, même fougue, même détermination pour nous croiser dans la vidéo. Côté que nous parlons pas les politiques, nous parlons pas les pays, nous parlons peser le pour et le contre sur tout ça qui est pour eux avec point d'ombre qui entourait arrestation Mario Antonio Palacios Palacios. Déjà, m'a invité à partager vidéo à Chita. À l'aise, nous pral pali. Des micro-présentations, c'est toujours même Yannick là, on n'est pas changé, en aller. Hey, aucun problème, bon? Bagay la piti. Rete la pali. Zaz of Moringa pour tes solutions. 15 outils, c'est pas mal pour l'an même. Ça pral permet de rallonger bien. Bal longueur vle, et puis sur vle, pour moun vle. Dans 90 jours seulement, solution non mais pardon ya. Et ou même ka fè rove, madame non pa vlo nan kay la. Kout ki lot fè pou pou. Ou fè bekate? A bien pa inquiéto, solution la. Gebon yon traitement 100% naturel, pendant 90 jours, tout bekate fini, za fò regle. Non, bon, tout garçon qui a utilisé entre 15 à 75 ans, ou pas besoin de peur. Produit 100% naturel, yo testé et approuvé. Relé dans 514-886-97-76 ou bien dans 37-55-46-06. Ou bien tout, passez sur le website www.zestofmoringa.com. Suspend plein. Zest of Moringa, c'est solution. Premier bagaille pour nous retenir dans le dossier arrestation Palacios Palacios Panama pour conduire les États-Unis. Le Palacios rivé aux États-Unis, il paraît avec le tribunal. Et c'était juge Alicia Otazarias qui prend l'acte d'accusation by Palacios, qui a tout chef d'accusation là-dedans, qui a infraction criminelle, qui a reproché Mario Antonio Palacios Palacios là-dedans, parmi eux, présomption de culpabilité li gagné dans 4 dossiers assassinat président Jovenel Moïse. Bien entendu, malgré un acte d'accusation qui lié Mario Antonio Palacios Palacios avec crime qui fait sous président Jovenel Moïse, mais ce n'est a décidé li pas plaider coupable. Li pas plaider coupable effectivement. Nous pour aller plus loin du fait que Mario Antonio Palacios Palacios li pas en mesure pour le payer un avocat. Pays États-Unis, tribunal discret Miami, qui ça yo fait, yo bali yon avocat commis d'office qui pral gagner pour assister, qui pral gagner pour défendre. Nous est différence ça? Est-ce que nous est différence ça? L'on en pays côté que droit moun respecté, l'on en pays côté procédure yo droit respecté, yo accompagné yo, yo assisté yo. Nous allons aller pour comprendre ce qui a passé dans le dossier Mario Antonio Palacios Palacios. En octobre 2021, passé à là, pendant que Palacios était nommé autorité jamaïcaine, il a gagné en liaison directe avec l'autorité américaine. Ça veut dire qui ça? Pendant que la justice jamaïcaine tapait le dossier Mario Antonio Palacios Palacios, pendant que Haïti... c'est une procédure d'extradition qui était présentée devant
gouvernement jamaïcain pour permettre à ce que Mario Antonio Palacios rentre en Haïti, eh bien, Palacios lui-même, il était décidé pour qu'il y ait une relation, pour qu'il y ait un canal de liaison avec le gouvernement américain, avec l'autorité américaine, yo, pour qu'il y ait ensemble des formations qui ont pour avec le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Le pourquoi? N'a pas songé, pendant tout déroulement enquête, pendant tout rapport de CPJ en tap écrit, nous t'entendons parler de un CTU, CTU. Eh bien, CTU qui est comme directeur Antonio Entriago, c'est un homme aujourd'hui en là que la justice américaine a poursuivi. Malgré que l'entreprise a toujours, malgré que l'entreprise a toujours fonctionné aux États-Unis, mais actuellement là, il y a deux chefs d'accusation qui ont retenu contre Antonio Entriago, qui est directeur CTU. Et c'est même Antonio Entriago ça, qui te mette l'argent disponible, qui te mette l'entreprise lien disponible au service de Pasteur Emmanuel Sano, qui t'a pral utiliser service Archangel Pretel. Et Archangel Pretel ça, nous tendons souvent dans le rapport des CPJ, parce que c'est lui-même qui t'a pral chercher Colombien yo pour rentrer avec yo en Haïti, pral utiliser service yo qui pral aboutir avec assassinat président Jovenel Moïse. Maintenant, tout pendant le mois d'octobre, nous tendons côté que Mario Antonio Palacios, il a gagné un canal de communication avec l'autorité américaine. Il faut poser tout pour qui raison, qui ça t'a réglé, qui ça t'a dit. Et dans l'acte d'accusation, on prend le temps de que Mario Antonio Palacios, pendant le mois d'octobre, il a décidé de parler volontairement avec l'autorité américaine pour le débat ensemble des formations sur le site. Comment CTU t'a fait pour recruter yo, qui ça t'a fait pour CTU, etc. Et CTU ça jodi en ouais là qui toujours a fonctionné aux États-Unis. Li nan collimateur gouvernement américain. Et selon information qui gagne, Antonio Entriago qui c'est directeur CTU, li gagne ensemble des fractions que reprochil. Évasion fiscale, détournement de fonds publics, blanchiment d'argent, blanchiment d'avoir de capitaux, etc. Donc le fait que yo arrêté Mario Antonio Palacios qui lui-même on dirait c'était chef de file colombien, c'était lui-même qui te connaît qui ça t'a pral régler, qui ça t'a pral passer. Donc en quelque sorte relation là avec CTU son relation qui proche, son relation qui étroite. Donc de ce fait je tiens la grande d'accusation qui lie Mario Antonio Palacios avec assassinat président Jovenel Moïse. Malgré que Noël n'est pas plaidé coupable. Donc s'il n'est pas plaidé coupable, jusqu'à preuve du contraire, des présomptions d'innocence qui soudole. Et c'est ça que fait Noël, je dis, au ballon avocat qui prend l'assister, il prend le monter dossier pour le défendre, etc. Mais pendant Mario Antonio Palacios si gon acte d'accusation soudole, Mario Antonio Palacios tout, faut nous pas nier que le gouvernement américain a utilisé pour faire tomber CTU. Parce que je dis, tout le monde qui a une relation directe avec le directeur CTU, tout le monde qui a un ensemble d'informations sur l'activité CTU après réglé aux États-Unis, sont susceptibles pour utiliser, pour faire tomber l'entreprise, pour faire tomber le directeur pour fraude fiscale ou bien évasion fiscale. Maintenant, nous prenons regarder qui quantité point d'homme qui entourait arrestation Mario Antonio Palacios. On dit tête nous bien. Moi-même fait chercher information pour nous parce que quelques données qui viennent là, quelques informations qui viennent, nous pas qu'à prendre n'importe qui genre. Parce que pendant la PC chercher la vérité qui entourait assassinat président Jovenel Moïse, mais nous pas qu'à prendre n'importe bagaille tout, non mais États-Unis, nous pas qu'à prendre n'importe bagaille tout, non mais autorité jamaïcaine, non mais autorité panaméenne, faut nous chercher information pour nous analyser, pour nous aider à comprendre. Imaginons après avocat, Palacios, s'il fait procédure en habeas corpus Jamaïque pour joindre libération Palacios, direction c'était sorti Jamaïque, aller directement Bogota. Et après information, après enquête qui fait, qui ça nous joigne comme information, pour sortir Jamaïque pour aller Colombie, gagner 8 vols par jour, 8 vols directs.
8 vols directs qui a duré entre 2h30 et 2h45. Donc, comprenez bien, si destination c'était sortir Jamaïque, aller Colombie, pour qui ça? Pour qui ça, Mario Antonio Palacios Palacios, il était obligé de faire un détour pour aller à Panama. Qui ça, il fait à Panama? Alors que de Jamaïque ou qu'après avion directement pour aller Colombie. Est-ce que c'est un lampion limé de Palacios? Faut que nous cherchions, faut que nous connaissions. Parce que je dis là, il y a un paquet de zones d'ombre dans la bagaille, il y a un paquet de bagaille qui n'est pas fin clair. Donc, ou même qui a regardé les vidéos, ou pas quand on dit d'où et États-Unis, Marie Palacios, Palacios, Panama, et puis pour on dit ou bat bravo, sans que ou pas cherchions qu'on est qui sac de l'arrestation Palacios. Bon, me dis non. Palacios était en Haïti. Ok, et par la chance participer dans tuer Jovenel Moïse, il y a présomption de culpabilité sous doul. Par la chance Mahon, il y a allé dans le pays Jamaïque. Pour qu'il soit directement de Jamaïque, États-Unis pas arrivé jouer soit influence li, arrivé jouer et coopération internationale pour te permettre à ce que par la chance sorti Jamaïque pour rentrer en Haïti. Nous préférons rentrer dans une situation côté que le gouvernement haïtien a voyé demande sous demande, alors que demande ça yo yo pas fondé, pas de preuve à l'appui, qui t'a permettre que l'État haïtien bénéficie extradition Mario Antonio Palacios Palacios. Nous perdu Palacios, nous t'es perdu Palacios. Et jusqu'à preuve du contraire, nous perdu Palacios Palacios pas non mais non. Donc, États-Unis pas dès le départ, participer dans l'enquête là qui t'a pas abouti avec et résultat pour ba nous Palacios en Haïti. Nous ouais côté que États-Unis li même li gen bagay personnel li la réglé. États-Unis go ensemble d'informations li gagné sous directeur CTU, li go ensemble d'informations qui lié CTU avec Palacios, yo utilisé aujourd'hui et comme vecteur, comme point central où joint dossier assassinat président Jovenel Moïse, yo pral l'utiliser non seulement pour faire tomber Palacios Palacios, mais tout pour faire tomber directeur CTU qui s'acrivé. Palacios Palacios, jodi an là son ancien, son soldat colombien qui prend formation aux États-Unis. Archangel Pretel, information qui gen sou li, c'est un agent FBI. Et m'ap songe pendant tout dossier assassinat président Jovenel Moïse. Le gen journal qui écrit sous relation Archangel Pretel gen avec FBI. Gouvernement américain pas jamais sorti note pour démentir. Donc sou pas démentir quelque part, c'est une vérité. Donc l'opre Palacios Palacios, ou pre Archangel Pretel, ou pre Antonio Intriago, tout c'est des citoyens. Soit y'a travaillé pour le gouvernement américain, soit c'est américain, soit y'a une entreprise aux États-Unis. Donc, que l'on veut ou non, qu'on d'accord ou pas d'accord, qu'on veut ou pas veut, go ensemble de citoyens américains, je dis là, qui activement, et qui activement a fonctionné aux États-Unis, ou gen entreprise aux États-Unis, ou prend formation aux États-Unis, qui ont même participé à un complot qui permet un groupe nègre rentrer en Haïti, tout le président Jovenel Moïse, et puis en toute liberté, en toute impunité, ou te pensé, ou tap juste aller, et puis c'est fini. Gyon paquet moun jodi an mwen kap bat bravo, kap kriye victoire, parce que États-Unis, Mare Mario Antonio Palacios Palacios. Fok nou comprenne bien sa kap fait là. Son jouet, bon, est-ce que nous ka dit son jouet? Nous ka aller même au-delà de jouet là. C'est comme si son titato y a fait nous faire son scénario qui montait de toutes pièces et ou même malheur avec ou même sou pas comprendre, malheur avec ou même sou pas cerner ça qui gagne au fond. Nous pral aller dès le départ. Nous prenons par exemple CTU. CTU depuis un rapport et DCPJ ou ensemble des formations qui baille, même Pasteur Emmanuel Sanon, il dit que c'est à travers CTU qu'il t'a fait et il t'a rencontré Archangel Pretel, c'est à travers CTU que t'as rencontré Colombien, Colombien d'où yo vini en Haïti pour yo te vini et sécurisé, après ça yo dou dossier en viré, yo dou mission changé par arrestation président Jovenel Moïse encore. 6 juillet, Mario Antonio Palacios dou, tout bagage chaviré, c'est tout yé Jovenel Moïse. Donc, faut que Mario Antonio Palacios Palacios, quand on me joue, je dis en pour dire, qui est-ce qui te baille l'ordre pour tout yé président Jovenel Moïse? Ça, c'est une.
Mais deuxième bagaille qui est extrêmement important pour nous cerner notre citato États-Unis a fait nous fait là. L'on prend le cas par exemple de Sami Randall. M'a tourné sous dossier ça. Sami Randall, yo mette mandat de Sami Randall. Sami Randall qui était Haïti, il est rentré aux États-Unis. Gouvernement américain n'a pas dit why. Sami Randall quitte États-Unis, li informe gouvernement américain que l'a quitté États-Unis, li pralé Turquie. Yo pa di why, même informé à ce qu'il paraît, yo pa informé autorité haïtienne yo. Donc dites tout bien. Jodi an la, le fait que yo arrêté Mario Antonio Palacios, victoire là au profit de qui est lié? À qui profite bien cette arrestation? Parce que faut que nous pas stupides, faut que nous pas naïfs tout. Faut que nous pas naïfs. Dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, chaque groupe moun gen intérêt par eux, yo vle préserver, yo vle protéger, y a bataille coûte que coûte pour yo protéger. Clan Sami Randall nan jodi, y a bataille pour yo faire tout ça yo connaît pour yo préserver droit Sami Randall, pour yo protéger Sami Randall. Et si gouvernement américain, si États-Unis te gon bagay, te gon intérêt dans quatre dossier Sami Randall là, dans quatre dossier assassinat Jovenel Moïse, li t'ap travail tout bon pour te gon coopération, pour te aboutir avec extradition individu ça. Donc jodi an nou pense Haïti t'ap pral batan jusqu'en Turquie pour mande extradition Sami Randall alors que il était aux États-Unis, il t'ap bambile, t'ap bien viré, jamais. Donc là faut qu'on ka comprendre. Faut qu'on pose des questions pour garder, pour chercher qu'on est qui réel intérêt États-Unis gagne des arrestations Mario Antonio Palacios. Et c'est ça que fait dès le départ. Moi, d'où notre dossier arrestation Sami et Palacios, nous rentrons dans une situation côté que Radzal l'avait en famille. Radzal sans famille l'avait. Donc, on vient trouver côté que pour yon cacher, pour empêcher un certain nombre de formations sautifiées, donc ils ont obligé de sacrifier un monde. Donc, l'autant des actes d'accusation pour Mario Antonio Palacios qui a préparé là, il compte tout ça dans l'acte d'accusation, il compte droit, et tellement qu'on doit lui demander pour le avocat. Puisque si l'argent a pris 380 dollars par mois, il n'a pas fait rien pour lui. Donc, il a pris un avocat. Jusqu'à 31 janvier, pour le paraître devant le tribunal Miami, Palacios li gen tan devant pour le préparer défense. Pendant Palacios a préparé défense, on compte ça. On compte ça, gouvernement haïtien t'a supposé faire. Palacios, c'est un présumé assassin. Jovenel Moïse, son citoyen haïtien. Yo tué Jovenel Moïse en Haïti. Et en matière pénale, c'est la loi de la situation du crime. Aussi simple. Yo tout yo côté yo tout yo là, c'est là pour juger, c'est là pour condamner moun, non c'est là pour toute procédure faite. Ou pral dire que par exemple là nous non situation de crime transnational etc. Crime transnational ou pas. C'est des citoyens colombiens, des citoyens américains, des citoyens haïtiens, mais côté crime nan fait là. C'est là que je suppose tendre les gens, c'est là que je suppose juger les gens, c'est là que je suppose condamner les gens, puis on purge les gens. Donc, pour prendre le propre exemple, yo sont juste Panama avec Mario Antonio Palacios Palacios, yo li ak d'accusation le bali aux États-Unis, actuellement la li nan prison Miami. Donc, 31 janvier, le paraît dans le tribunal devant juge Alicia. Donc, yo pral di Mario Antonio Palacios Palacios, qui sont plaidés coupables ou non coupables. S'il plaide coupable, il a tout prononcé peine ni bali etc. Mais s'il plaide non coupable. S'il plaide non coupable, on va pas rentrer dans cadre procès etc. etc. et puis sortant de là à qui profite ce détour. Mais oui, on y a moi une série moun nan fondation en Haïti, tant par exemple on prend fondation J'éclaire Capdou et c'est une très bonne chose arrestation Mario Antonio Palacios Palacios. Oui, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, mais lundi, là, au final, avec Mario Antonio Palacios, Palacios aux États-Unis, au final, juge, etc., puis au voyage en Haïti, pour lui répondre à la question. Faut que nous pas oublier, il n'y a pas de juge. Il y a un monde pour un même crime. Il n'y a pas qu'à juger deux fois pour un même crime, pour un même fait. Si Mario Antonio Palacios, Palacios, il y a jugé aux États-Unis, il y a reconnaître lui non coupable. Pour assassiner le président Jovenel Moïse, soit parce que pas grand ensemble de formations qui lient la velle, pas grand ensemble de preuves qui lient la velle. Donc nous pensons que Mario Antonio Palacios Palacios, si 40 ans en Haïti pour nous juger le même pour même bagarre encore.
Yo pas jugé un monde deux fois pour même fait. Puisque dans l'acte d'accusation, yo reproché l'assassinat président Jovenel Moïse Anto. Donc faut que nous clair sur bagay. Là yo pas gen jouet là-dedans. Bagay yo pas gen jouet là-dedans. Il faut que nous prenions très au sérieux. Nous obligé là arrêter focus sur verdict 31 janvier en attendant pour nous connaître qui sort définitif qui réservé pour Mario Antonio Palacios Palacios puisque là nous pas qu'à anticiper un dossier pral devant un juge, un dossier pral dans tribunal, nous pas qu'à participer. D'ailleurs présumé assassin, il pas plaider coupable. Donc li gon marge de manœuvre, li gon large marge de manœuvre devant lui pour qu'on comment le pral préparer défense li pour avocat l'assister et surtout jusqu'à preuve du contraire presque presque pas gagne aucun indice ou bien aucune preuve concrète qui pral dou que moun sa a participé dans tuer Jovenel Moïse ou pas gagne vidéo surveillance. Ou pa gen photo, pa gen rien qui ka montre que moun sa yo yote dan ka Jovenel Moïse etc. Donc dis bien. Est-ce que nous tendez? Est-ce que nous comprenons la réalité? Nèg yo tellement bien monté scénario, nèg yo tellement konn sa yo te planifié, konn sa yo pral fè jusqu'à jodi an la mande DCPJ. Mande DCPJ. Côté caméra, surveillance et côté external disque dur tout ça stocké image qui stocké vidéo la caille président Jovenel Moïse côté yoé yo pas cadeau en sur yo. Donc c'est tout ça qui ca justifier présence mercenaire yo, tout ça ca justifier présence assassin yo, présence présumé coupable etc. C'est lui même qui disparaît. Donc on prend le bazo seulement sur des témoignages, on prend le bazo sur des contre témoignages pour dire tel coupable, tel innocent, tel coupable. Donc n'a pas son éternité à chercher coupable, n'a pas son éternité à chercher délinquant et puis soit attendez à là nous retenons spirale non spirale jusqu'à ce que juge instruction l'a décidé là le faire coller mon livre les voyer le voyer et à devant tribunal criminel pour juger et puis ça veut la gueule tout et puis c'est fini. Donc on va retrouver nos situations, on va réaliser que dossier assassinat Jovenel Moïse même États-Unis qui prend pour aujourd'hui là c'est dans devant Marie Moun etc. Yo va casser feuilles subtilement pour couvrir ça. Nadim de dit nous ça parce que Mario Antonio Palacios c'est un point clé, son élément fondamental dans le dossier Jovenel Moïse. Donc moun ki a parlé côté que Haïti t'a supposé mandé extradition Mario Antonio Palacios. Mario Antonio Palacios y gon acte d'accusation. Li devant tribunal 31 janvier prochain, c'est sentence li pral prononcer contre lui. Donc question extradition ça, nous met pas son petit croix sous lui en attendant. Parce que le gouvernement américain li prend dossier en charge, l'a géré Mario Antonio Palacios, l'a géré City You en bas, l'a géré Archangel Pretel en bas, l'a géré Triago en bas. Et puis sont entendu à l'heure la palo. Là nous garder avec l'accusation. Il y a avec l'accusation. M'lil. Avec l'accusation tellement bien charpenté. Pour expliquer au fait yo. Yo présente au fait yo. Yo fin présente au fait yo, yo présente au qui ça reproché Mario Antonio Palacios. Et par la suite, yo pral prend décision pour yo mettre Mario Palacios en détention jusqu'à ce que 31 janvier arrive pour le paraître devant juge. Ça qui est extrêmement important, c'est le fait que jodi an nous trouvons nous dans une situation côté que la justice en Haïti, côté que autorité judiciaire nous yo, yo pas en mesure pour yo même pour yon même présenter formellement yon acte d'extradition. Yon pas en mesure pour yon présenter formellement des écrits qui gen pour wè avec extradition. Sa Mirandal, tout ça yon présenté. Gen fay, tout ça yon présenté. Pas correct, tout ça yon présenté. Li toujours gon point d'ombre qui toujours cassé enquête là. Et c'est pas capable, yon pas capable. Gen moun ki capable au sein de gouvernement. Gen moun ki capable kap travay nan ministère de la justice. Yo seulement pa gen bonne volonté. Yo seulement travay de concert avec un groupe moun, un clan moun ki konnen sa kap prepare sa kap fè. Et c'est ça qui fait nous tout moun et tout moun a mouri ko yo. Tout moun montre dossier Jovenel Moïse li pa intéressé yo parce que yo konnen
yo konnen en amont ki sa ka régler, yo konnen en haut gon bagay ka régler en haut, yo obligé rete calme yo même pou yo tann sa ka vinn pou yo. Donc en attendant que 31 janvier arrive, pour effectivement nous pral konnen nan ki position nous pral classer Mario Antonio Palacios, est-ce que de manière définitive nous obligé blier citoyen ça ou bien est-ce que gon espoir pour lui toujours? Là, nous obligé rete focus sur dossier Samir Randal là. Nous obligé rete focus sur lui parce que Samir Randal lui-même qui s'écrivait, Samir Randal li nommé autorité turque. C'est vrai, OK, yo doute gon procédure qui enclenché par bon côté gouvernement haïtien. Mes amis, en sérieux. À qui sa procédure ça pral abouti? Le nouveau gouvernement américain li toujours nan mitan toute démagogie ça k'a fait yo, soit parce que le gon groupe moun la protéger, soit parce que le gen intérêt la protéger, soit parce que moun ki impliqué nan assassinat Jovenel Moïse, c'est des moun ki prend formation la Kaili, c'est des moun ki gen entreprise la Kaili, c'est des moun ki a fait infraction la Kaili. Comme gouvernement américain, autorité américaine yo sensible nan ça ki gen pour avec évasion fiscale, yo sensible nan ça ki gen pour avec blanchiment de capitaux. Donc jodi an faut gon moyen possible, faut gon moyen ki liye non seulement directeur CTU Antonio Intriago avec Mario Antonio Palacios qui pral permettre à ce que même Mario Antonio Palacios qui lié avec CTU, qui lié avec Emmanuel Sano, qui lié avec James Solange, li pral lié tout avec dossier assassinat président Jovenel Moïse. De ce fait, nous pral comprendre que le tout au long de rapport d'enquête de CPJ, ou pral li gon groupe mercenaire qui dou yo même yo pa konnen sa passé, c'est rentré ou te rentré en Haïti parce que yo te di yo gon job sécurité yo pral fè, etc., yo pral vin protéger VIP. Gon l'autre groupe qui dou yo même yo te rentré en Haïti parce que te gon mandat pour yo exécuter. C'est moun ki replacé, oui, tant que Mario Antonio Palacios, qui gion ensemble de formation, qui li même te konne, 6 juillet, l'autre date était pour exécuter Jovenel Moïse. Moi, ça qui est extrêmement important, ça me vle nous konne jodi an la, l'autre venait de qui? Qui est-ce qui te gen contact direct avec Mario Antonio Palacios? Et c'est tout intérêt. Moi-même, pendant tout temps ça, l'État haïtien, gouvernement haïtien, ou bien les soi-disant jovenelistes, matin, midi, soir, on a radio, matin, midi, soir, y a fait tweet, matin, midi, soir, y a dou, y a bataille pour Jovenel Moïse en justice, et pas une fois par youn qui entend ton action, qui dou, y a pral mandé pour City You rend compte, pour directeur City You rend compte, parce que c'est à travers entreprise qui te employé colombien ça yo, mercenaire ça yo, qui aboutit avec l'homme Jovenel Moïse. Comme si tout ça qui est pour avec des actions juridiques, des actions concrètes, ou pas un jovenelis. Tout jovenelis carré, yo maou. Je zèle tout jovenelis cassé, tout moun, yo gaye pa, yo patende yo pa we yo. Mais quand il s'agit gon coup de filet fait, je prends acte. Quand il s'agit gon avance qui fait petit coulier dans dossier Jovenel Moïse, tout jovenelis paraît point tête, yo prend acte. Y a pas de bravo, y a fait propagande, y a préparé terrain, y a préparé élection sous cadavre Jovenel Moïse. Je dis, il faut que bagay ça suspend. Nous supposons unis, nous supposons unifier nous pour un même objectif, pour nous déterminer, pour lumière faite sous assassinat Jovenel Moïse. Mais nous pas cap diviser nous, dans souci, ça cap chercher frame, dans souci, ça cap préparer terrain pour élection, ça veut montrer que c'est vrai leader, c'est Jovenel en action, et puis pas grand rien cap régler. Nous là, nous conscients que c'est dilatoire qu'a fait sous dossier assassinat Jovenel Moïse. En Haïti, il y a dilatoire qu'a fait, gouvernement haïtien fait dilatoire. Gouvernement américain fait dilatoire, Jamaïque t'a fait dilatoire, la Turquie a fait dilatoire, Colombie a fait dilatoire, et puis nous là dans mi-temps, nous pas qu'à unifier, nous pas qu'à unir nous tout le monde pour nous dire, nous pas tenter une action à l'échelle internationale devant juridiction internationale pour nous dire nous pas chercher justice pour Jovenel Moïse, mais quand il s'agit pour nous faire tweet, pour nous faire propagande sous cadavre Jovenel Moïse, sous nos Jovenel Moïse, tout jovenelistes là. Et ça, nous commençons à nier franchement. Nous avons besoin des hommes valables qui sont parés pour combattre, qui sont campés en face institution, yo, qui sont campés pour défendre la souveraineté du pays. Ce n'est pas des tweets, ce n'est pas des propagandes sur Internet, sur les réseaux sociaux.
Bagay sa ou nou abitue avec yo trop. Nou besoin des hommes et des femmes valables qui ka impliqué. Qui pa bat bravo le sa bon, mais qui pare pour défendre tout dans situation difficile yo. Parce que l'actuellement Haïti depuis 7 juillet 2021, nous nou en situation difficile. Nous nou en crise politique, nous nou en chaos politique extrême nan. C'est pas seulement avec cause et accord qui peut accord pour gongon. Non, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement par le fait que jodi an la nous wèg on soi-disant opposition avec on soi-disant pouvoir qui allié ou là qui lié au d'amitié puis cap théoriser population, c'est pas seulement ça. Nous gon vide présidentiel, nous gon vide constitutionnel, mais deuxième lundi janvier à là, nous nous en situation côté que bagay yo a empiré, bagay yo ka empiré. Il suffit que gen bonne décision qui prend. Donc assassinat Jovenel Moïse li crée un paquet de vide. Si nous pas en mesure pour nous comprendre que pays actuellement la pays en pas fonctionner, pays en pas diriger, même l'entendre gen premier ministre, même l'entendre gen ministre etc., nous pas gen une bonne gestion qu'a fait en dedans pays. Nous pas gen administration qu'a fait en dedans pays. Puisque tout ça qui est susceptible pour fait là, tout bagay qui a fait dans le ministère, dans la direction générale, yo susceptible pour gen corruption là-dedans, pour gen détournement de fonds là-dedans, pour qui ça? Parce que moun sa yo ki a se pral rendre compte. Pas gen parlement qui pourrait les ministres, pas gen parlement qui pourrait les directeurs généraux, tout moun grand moun, tout moun a fait ça yo vle. Et c'est la raison pour laquelle nous, budget rectificatif là, yo détourné, yo fouillé, yo viré les gens yo vle, yo fait ça yo vle là-dedans. L'argent gaspillé, l'argent gagoté, l'argent bamboché là, tout nèg gen l'argent dans poche, tout nèg gen l'argent pour régler les affaires yo. Et puis nous en situation côté que nous sommes pas en fin d'année là, pas gen l'argent pour malheureux malheureux yo. Pas gain assistance pour malheureux malheureux yo, alors que 1er janvier là gros paquet l'argent qui sont débloqué, ministère de l'intérieur débloque un paquet l'argent pour qui ça pour lever des filles dans Gonaïve. Et maintenant l'on regarde bilan lever des filles ou pas elle même égal avec 1 allez voir pour ta égal à 10, puisque nous pas gain autorité qu'à penser vraiment nous gros paquet moun qui là qui voulait faire tête passer pour chef, qui voulait faire respecter ou qui voulait faire tant de voix pour douser chef yo. Mais un vrai chef li pense peuple, li pense bien-être collectif, li pense changement. Est-ce que ça nous gain là c'est chef yo tout bon? Pendant que n'a bataille, nous dit n'a bataille pour changer situation moun ki pi faible yo, ki pi défavorisé yo. Nous dit n'a bataille pour nous lever ce qu'a fait pays, pour nous faire respecter souveraineté pays, pour nous faire respecter ti bout de papa de saline nan, mais nous pas montrer que nous gain intérêt pour pays en vrai. Nous pas montrer que n'a bataille pour stabilité en dedans pays en vrai. Décision politique yo nous c'est des décisions qui susceptibles pour créer plus chaos, c'est des décisions qui susceptibles pour créer plus problème, plus conflit en dedans pays. Au bras d'entendre, un premier ministre nommé, il décide pour révoquer des élus. Au bras d'entendre, un premier ministre qui l'a, et puis il y a présomption de culpabilité sous dol dans l'assassinat d'un président qui était élu démocratique. Au bras d'entendre, ministre qui est cité dans kidnapping. Ou pral tan des ministres, c'est ancien drug dealer qui prend prison. Ou pral tan des ministres et secrétaire général li impliqué dans viol, etc. Dans cas de Jacques. Donc, qui gouvernement nous gen là? Qui autorité nous gen là dans cette institution yo? Sont des ordres généralisés. Sont des ordres généralisés. Donc, si sont des ordres généralisés qui gen dans cette pays là, ou pas besoin d'attendre à aucun résultat. Si gon résultat pour bay c'est des résultats négatifs moins sûr. Moins pas gè aucun résultat pour le bay là qui positif qui dans intérêt population qui dans intérêt collectivité ya. Ça li évident. Donc dossier Mario Antonio Palacios Palacios on a fait le tour ou est point d'ombio ou est tout intérêt États-Unis te gagné pour Mario Antonio Palacios Palacios c'était rivé prendre le Panama puisque jodi an la directement par la chance te ka sorti Jamaïque li a l'atterri Colombie la l'atterri Bogota nou yo pa faire de pa prendre vol direct avec donc c'était principe là ça c'était règle ça sorti Jamaïque aller Panama pour yo prendre Panama pour yo rentrer à Miami donc actuellement là
m'a prédit nous encore Mario Antonio Palacios Palacios li nan pays États-Unis li nan prison et 31 janvier prochain la gen pou paraître devant juge Alicia Otazarias qui pral tande et qui pral prononcer sentence li. En attendant, n'a prêté focus sur les actualités, hein? N'a prêté focus sur ça qui a passé, sur ça qui a bien pour passer en dedans pays, hein? Et ensemble, n'a analysé, n'a commenté. Dernière présentation, c'était toujours même Yannick, la même voix, rien pas changé. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça, ou c'est haïtien, ou remet pays, et bien on agit. Désespoir de machination politique et les non-dits. Mon éditorial, vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, oui, chez Chanel Paola pour qu'elle bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral la valide, nous bral le débat, c'est toujours même Yannick, l'en même voix. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.